Bonjour à tous. Alors, je passais là justement dans le coin et je y avait Syrah qui me dit, Syrah Garde-Lune qui me disait que les gardiennes veillent, il faut montrer aux gens que les gardiennes sont présentes, etc. Et moi, j'ai envie de dire un truc. Je joue chasseur de démons là. Regardez. J'ai des ailes. Des cornes. J'aimerais bien qu'elle arrête de considérer ses ordres comme des prérogatives pour moi. Sérieusement. En quoi puis-je vous aider? Je ne suis pas un larbin. J'ai même pas la gueule d'un larbin. Vous connaissez l'astuce en switch. Geyser Tourby, enfin Geyser et SM. On va expliquer pourquoi les gens achètent des Harley Davidson un jour. Croyons que c'est vachement rebelle, alors que tout le monde a ça aux États-Unis. Non mais vraiment, Harley Davidson, mais tu trouves que ça, t'as un clan de bikers, t'as 40 Harley Davidson. Ok, on reconnaît les gens motivés là. On pose le geyser. On le tue grâce à l'effet gobé tout entier qui inflige deux fois plus mal. Quand la cible est sous les 25%. Là, je sais pas si on peut faire quelque chose, je crois qu'il me tue. Là, on va essayer. Eh ben ça se passe bien cette fois. Non, parce que c'est pas mon premier test. Non, j'avoue que le one shot à 1800 et des brouettes là, ça déconne pas. Hein. Couler debout. Couler debout. Oh, tant pis, je le retrouve pas. Et là, les dégâts, ça fait 1158. Putain, la pauvre. Joli. Bon, c'est une équipe qui marche très bien. Vous connaissez la combinaison entre Geyser et SM. Et là, ça marche encore mieux à cause de la deuxième mascotte qui est de type mort-vivant. Et donc, dès qu'il switch, il se prend un coup des SM. Et là, elle a coulé debout, mais l'ouvre en deux. Mais là, c'était exceptionnel. Et voilà, on a fini. Pour Mireille, la veilleuse de la nuit, avec une équipe de type aquatique. Le rappelons qu'elle est sympa. Son seul but dans la vie, c'est de nous entraîner. L'esprit était serviable, le phalène était délicat, et le livre était volant.